Je me considère plus boulimique. Ça fait depuis la fin des groupes, donc un peu plus d'un an maintenant, que je n'ai plus fait de crise et que je me sens en paix avec la nourriture. Il te reste probablement des côtés, des particularités relationnelles Oui. que soit tu as réglé, soit tu n'as pas encore réglé. Ça, je ne sais pas. C'est en cours. Le côté fuyant et tout encaisser jusqu'à, enfin, le côté tout encaisser jusqu'à n'en plus pouvoir et après se barrer, c'est fini. Le côté un peu collant et surtout dans des moments où parfois je me sens un peu vulnérable ou sous stress, parfois ça revient encore. Parfois je me rends compte que je m'accroche encore un peu à mon compagnon dans des moments de fragilité. C'est plus un manque quotidien ou un besoin de le manger quotidiennement. Le groupe, ça m'a apporté du recul sur moi-même, ce qui malgré tout était vraiment important parce que je me pensais déjà seule au monde dans ce que je vivais et je me pensais terrible et que je ne serais jamais capable d'avoir une relation saine avec quelqu'un. Et du coup, ça m'a montré que voilà, que j'étais pas seule là-dedans. Et ça m'a aussi, ça m'a permis, en fait, en prenant conscience de savoir que mes relations marchaient pas parce que j'étais une personne affreuse, mais parce que j'avais pas les clés ou les bons moyens ou parce que, j'utilisais mes relations pour combler quelque chose que je devais peut-être trouver en moi-même plutôt que d'aller vampiriser les autres.